Je vous présente nos invités ce soir pour notre conférence. Donc, Sabine Bonquet et Jenny Chafai, qui ont une ancienne collaboration, une collaboration assez ancienne d'ailleurs entre eux, et qui ont développé, qui sont cofondateurs de la société Sensemo. Voilà. Donc à vous. Vous allez nous donner quelques précisions. Sur le sujet, surtout. Présenter le sujet. Prévu une mise en scène, mais qui ne fonctionne pas bien avec les micros, on est embêté, on va faire avec. On va faire avec. Madame Volquet. Bonjour. Bonjour, monsieur Chafai. Madame Volquet, bonjour. Je vous remercie d'être venue. Enfin, je vous remercie de m'accueillir. Tenez, installez-vous. Merci beaucoup pour déjà la qualité de votre accueil. Mais je vous en prie, je vais mettre un petit verre d'eau peut-être ici. Voilà, merci. Si vous avez soif. Merci beaucoup. Et comme on est au début d'année, j'en profite pour vous faire mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Merci beaucoup, et vous de même. Alors, beaucoup d'affaires et un grand développement pour votre Sensemo, puisque nous sommes là à ce sujet aujourd'hui. Alors que je vous précise, on se retrouve à deux là dans mon bureau. Il était prévu que Pierre Dubois, mon DSI, soit là. Il a eu une urgence informatique, vous voyez ce que ça peut être. Ouais, je comprends. Et donc je me retrouve tout seul, j'ai pas décalé le rendez-vous parce que j'ai pas d'autre date disponible tout de suite. Alors j'ai préféré vous rencontrer, puis je lui rendrai compte, on travaille en bon temps, on se connaît bien. D'ailleurs c'est lui qui m'avait introduit vos ouvrages, vous faisiez un observatoire sur la modélisation de SI. Oui, tout à fait. Dans toute sa Sapientis, je crois, c'est lui qui m'avait introduit là-dessus, voilà. Alors, Madame Bonquet, avant qu'on commence, j'aimerais bien que vous me reprécisiez, pour que ça soit clair dans mon esprit, qu'est-ce que ça fait, Sensemo, et en quoi ça m'intéresse, moi, directeur général d'une entreprise, votre outil, votre démarche, votre produit. Voilà. Et d'ailleurs, en même temps, si vous pouviez me préciser qu'est-ce que c'est que Sensemo, par curiosité. D'accord, je vais répondre à ces questions. Alors tout d'abord, je suis ravie que vous soyez au courant des observatoires de Sapientis. Je ne sais pas, vous les aviez lus? J'en ai vu tout. Il me semble qu'il y en avait eu 4 ou 5, donc enfin, j'en ai vu tout. Et c'était très intéressant. Ah ben, j'en suis ravie. Alors justement, pour tout expliquer, Sapientis et Sensemo s'inscrivent dans la même continuité. En fait, on a utilisé les résultats de l'observatoire pour développer, concevoir Sensemo. Et Sapientis au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre logo Sapientis. Oui, je vois tout à fait. C'était faire du système d'information un levier d'évolution. Et on avait à côté de ça une démarche de conseil, une démarche purement méthodologique pour aider les entreprises à mettre en place une décision collaborative autour de la décision liée au SI pour reprendre le contrôle, diriger ça vis-à-vis des objectifs stratégiques des entreprises. Puis on s'est aperçu au bout d'un moment que la démarche purement méthodologique, ça ne suffisait pas. C'était pas suffisamment convaincant pour les entreprises. Alors pour différentes raisons, et je vais vous les expliquer. Et c'est ça qui en fait a donné naissance à Sensemo, qui est à la fois une démarche, mais aussi un outil. C'est un service outillé. Alors je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert et pourquoi vous, en tant que directeur, vous pouvez être intéressé. Mais en quelques mots, déjà pour répondre à votre curiosité, Sensemo, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le choix est lié à SEM comme sémantique, SI comme système d'information et MO comme modernisation. L'idée, c'est surtout de moderniser la façon dont on approche le système d'information, lui redonner du sens. Et ça a un double sens, excusez-moi du jeu de mots, le sens vers lequel on veut le diriger, mais aussi le sens de pourquoi on l'utilise, à quoi ça sert. Et donc ça m'amène à vous dire à quoi ça sert Sensemo. Donc Sensemo, c'est un service outillé à destination des instances de décision de l'entreprise pour organiser l'information nécessaire à la décision pour le pilotage par la valeur des systèmes d'information. Alors, je suis quand même obligée de préciser un peu ce qu'on entend par pilotage par la valeur. Effectivement. Donc, piloter par la valeur le système d'information, c'est quand même déjà positionner toutes les actions autour du système d'information. Alors les actions, elles sont nombreuses.
lancer des projets, lancer des initiatives, fusionner des projets, lancer des programmes, créer de nouvelles solutions, de nouveaux outils qui vont aider à supporter nos activités. Ça peut être aussi tout simplement de nouvelles technologies, changer de solution. Donc on a de nombreuses actions autour du système d'information, mais il est primordial de les positionner par rapport à la stratégie, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et ensuite, il faut donner les moyens à toutes les instances de décision. Alors, quand je parle d'une instance de décision, je parle des directeurs de programme, des comités de programme, des directeurs de projet, des comités stratégiques, des comités directeurs, en fait, même la direction d'entreprise. Ensuite, il faut avoir les moyens de s'assurer que toutes ces actions apportent réellement de la valeur, apportent des bénéfices métiers au regard des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, c'est l'ambition de SEM-SIMO d'organiser toute l'information nécessaire à la décision pour permettre ça. Alors, pourquoi un outil ? Parce qu'on pourrait se dire qu'au départ, c'est simplement une question d'organiser les structures de décision, de les faire communiquer, de mettre en place les processus, les règles pour arbitrer sur les investissements, pour prioriser. Et force est de constater que la simple démarche méthodologique ne suffit pas. Si vous me le permettez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, la démarche simple est a priori de bon sens, on va clarifier les rôles, les responsabilités, mais de l'expérience cumulée qu'on a, et je suis désolée de le dire parce qu'aujourd'hui c'est pas très flatteur pour moi, mais ce sont des décennies d'expérience cumulée en entreprise, de moi-même sur les systèmes d'information et mon associé sur l'analyse de la valeur, donc tous les deux on cumule beaucoup de décennies, peut-être lui encore plus que moi, et ça nous a conduit quand même à faire un constat pas très reluisant, et même notre observatoire Sapientis, sur la capacité réelle des organisations à maximiser la création de valeur. C'est ça qui m'a intéressé dans votre observatoire, parce que moi, franchement, j'avais pas retenu l'aspect méthodologie. Ce que j'avais retenu, c'est la photographie des entreprises et la gestion des systèmes d'information. Et justement, ce côté-là de pouvoir piloter les systèmes d'information au niveau de l'entreprise et pas dans le précaré de la DSI, ça m'avait interpellé déjà. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous considérons que la direction stratégique du SI, spécialement aujourd'hui, on parle de transformation numérique, alors au-delà des buzzwords, il y a une réelle transformation de la société, et on se rend compte que le système d'information, finalement, il est à tous les niveaux du business model d'une entreprise. Il le supporte à tous les niveaux. Donc ce n'est pas, effectivement, comme vous le dites, le précaré du DSI. C'est aussi une question de direction générale, j'irais même au-delà. Il est primordial que la direction générale s'intéresse à la stratégie autour du système d'information, mais ça va plus loin. Notre outil, notre approche SEM-SIMO concerne la direction générale, donc vous, monsieur, mais aussi les directions métiers, mais aussi les directions des systèmes d'information. C'est ça. Parce que quand on parle d'organisation de l'information, il s'agit de faire échanger les informations que chacun possède, les visions dont disposent ces différentes parties du triumvirat, DG, DSI, DM, pour réellement avoir une décision, un arbitrage efficace de qualité au nom de l'entreprise. Il ne faut pas se contenter d'une seule vision, d'une seule perspective. C'est ce que j'essaie de mettre en place avec mon DSI depuis 3 ans, et on a quelques soucis, quelques résistances, quelques difficultés à impliquer les métiers, trouver la place de chacun, gérer les équilibres d'un point de vue de l'entreprise. On va répondre à ça d'un point de vue organisationnel et puis d'un point de vue outillage. Alors pour dire quelques mots, toujours de compléter cette vision de la situation existante, la plupart du temps, la plupart des entreprises ont un business case ou une note de cadrage quand elles lancent un nouveau projet. Ça c'est un fait, la plupart le font de mieux en mieux. Et on ne parle pas business case, mais on parle de dossier de décision pour nourrir justement la décision. Mais la réalité c'est souvent en fait juste un dossier de lancement. Et on a très très rarement un vrai bilan de création de valeur des projets. Est-ce que vous êtes capable, vous, monsieur le directeur général, de savoir, excusez-moi, mais pour tous vos projets... Je sens la peau de banane. Clairement, on sait le plus souvent savoir exactement ce que cela nous a coûté, le temps que ça a pris, mais les bénéfices métiers réels que ça a apporté pour les différentes parties prenantes. Non, c'est un vrai souci que j'ai tous les jours. C'est d'arriver à obliger les troupes à me dire exactement où ils en sont sur les finalités de leur projet plutôt que sur des avancements en jour, en difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est extrêmement important. Puis encore autre chose,
Il y a encore autre chose qui intervient, c'est qu'un projet, dès qu'il dépasse 6 mois, 1 an, de toute façon l'écosystème de votre entreprise bouge, les enjeux des parties prenantes se modifient. Donc il s'agit de suivre au jour le jour et de regarder quels sont les impacts de ces changements. Donc en fait, c'est pas comme si on avait lancé une direction et que cette direction était inamovible. À partir du moment où vous avez un dossier de décision, c'est un peu le CV d'un projet, il doit vivre tout le long de ce projet et même après. Parce que si vous créez quelque chose, une application, un résultat, vous devez toujours vérifier qu'il est bien en ligne avec votre stratégie, vos enjeux et les besoins. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand finalement ces applications ne sont pas tant que ça en ligne avec les besoins des parties prenantes? Ben, vous savez ce qu'on appelle le système d'information fantôme, qu'on avait entendu parler. On en parle un peu dans nos observatoires. Vous appelez ça fantôme Shadow IT. Ouais, Shadow. Ce qu'on appelle Shadow IT, au final, c'est l'ensemble, souvent des feuilles Excel, parce que ça existait avant, ce qu'on appelle le software as a service, le cloud computing. J'ai 2500 ingénieurs dans mon entreprise. Alors, vous avez beaucoup de Shadow IT. Je ne vous raconte pas le nombre de bidons qu'ils me fabriquent tous les jours. Ils ont forcément fait des feuilles Excel. Et ce n'est pas seulement les ingénieurs. Récemment, il y a quelqu'un qui travaille dans la santé, dans le domaine pharmaceutique et dans les hôpitaux, qui m'a dit que c'était impressionnant. Les docteurs avaient des applications qu'ils n'utilisaient pas parce qu'elles ne contenaient pas les données dont ils avaient besoin. Ils remplissaient des feuilles Excel énormes et après, ils faisaient des copier-coller de leurs feuilles Excel au sein des applications. Et puis, en fait, il y avait plein de redondances, des erreurs. Enfin, c'était un cauchemar. Mais ce Shadow IT, il n'existe pas parce que les gens ne veulent pas jouer le jeu. C'est parce que les applications ne répondent pas suffisamment à leurs besoins. Mais à la fin, on ne voit pas d'une façon holistique, centrale, l'ensemble des projets, l'ensemble des applications. Et clairement, si on ne voit pas en centrale, si on ne maîtrise pas l'ensemble des coûts, et si on ne voit pas la réelle couverture du besoin, on ne connaît pas la valeur. Dites-moi, vous avez une baguette magique pour identifier le Shadow IT aujourd'hui? Non, aucune baguette magique. Je ne vous mentirai pas là-dessus, je ne vais pas vous faire des promesses intenables. Dans tous les cas, et c'est pour ça que nous parlons d'un service outillé vis-à-vis de SEMSIMO. SEMSIMO, pour faire court, les trois principes structurants, c'est qu'il y a une démarche organisationnelle au départ, une démarche d'accompagnement pour un déploiement à coût maîtrisé. Il y a un modèle de modélisation des informations nécessaires à la décision pour pouvoir les organiser et les structurer. Et puis un portail collaboratif pour saisir, mettre à jour, restituer ces informations. Alors, pourquoi je vous parle en premier de la démarche? C'est justement pour répondre à cette histoire de baguette magique. On ne va pas avec une baguette magique d'un seul coup découvrir l'ensemble des trous dans la raquette de la décision, l'ensemble des feuilles Excel à droite à gauche. Il va falloir rassembler les gens. D'accord, mais moi je vois la direction où vous m'emmenez, mon DSI me propose tout ça, c'est des outils pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique, c'est aussi beau, là, avant qu'on rentre dans le détail, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à tous les outils qu'on voit sur le marché? Alors il existe un certain nombre d'outils sur le marché qui peuvent vous apporter des tableaux de bord, des reporting, par exemple les outils de type ERP, et puis vous avez aussi des project portfolio management pour arbitrer, prioriser sur vos différents projets. Si c'était ça dont vous parliez. Tout à fait, oui. Alors, on n'est pas du tout concurrent. Alors, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Si vous prenez les approches de type ERP, la gestion intégrée des ressources au sein de l'entreprise avec des processus transactionnels. Donc, l'idée des ERP, c'est optimiser vos processus, enfin, du moins ceux qui sont standards, et puis remonter des informations sur comment ils s'exécutent opérationnellement, le nombre de commandes, le chiffre d'affaires, etc. Mais avant même de mettre en place un ERP, c'est quand même vous poser la question de quels sont vos processus standards, parce qu'il va les supporter. C'est pas l'ERP qui va vous répondre, ou est-ce que vous devez avoir de la différenciation, ou est-ce que vous devez faire quelque chose de spécifique ou de standard. C'est pas l'ERP qui va vous indiquer quels sont les axes stratégiques de votre entreprise. Ça, vous devez les définir en amont, et de façon collaborative ensuite, pour bien pouvoir les décliner ensuite. Donc l'ERP, il va avoir des limites par rapport à ça. Bien sûr qu'il a ses avantages. Il y a des avantages pour optimiser les processus transactionnels, puis vous remonter des informations opérationnelles. On se place à un niveau de gouvernance en amont. Si on prend aussi, parce que je vais aller jusqu'au bout, parce qu'on a ces dossiers de décision pour prioriser les projets, si on prend les projets de portfolio management, ils visent exactement ça, en théorie. En théorie, ils visent exactement vous aider à prioriser vos projets, arbitrer si vous avez des conflits de ressources entre différents projets et programmes. Sauf que justement, ils se contentent de ça. Arbitrer les conflits de ressources, à la limite prendre en compte les risques. Mais ils ont une approche très PMO, chef de projet. On va arbitrer
sur les conflits de ressources, mais on va perdre un peu, au fil du temps, l'objectif de qui sont vraiment les parties prenantes de ce projet, quels sont les bénéfices pour quelles parties prenantes, et quels sont les axes stratégiques, où est-ce qu'on modélise les axes stratégiques de l'entreprise, donc PPM, c'est pas tellement l'objet. Et tous les deux, que ce soit l'approche ERP ou PPM, ne répondent pas à une question fondamentale, c'est comment créer cette synergie entre les directions générales, direction de métier et DSI. C'est là que le bas blesse sur les outils que j'ai vus, que m'a présenté mon DSI. Bah, typiquement, si je prends un exemple, je vous enverrai le lien après si ça vous intéresse. Il y a eu un audit de gouvernance, IT gouvernance de la NASA, en 2013, je crois. Et ils avaient mis en place un mécanisme PPM, Project Portfolio Management, pour arbitrer et prioriser. Ça a été une grosse catastrophe, c'était sous la responsabilité du DSI, on n'appliquait pas les directions de mission, et en fait c'est un mécanisme qui tourne à vide, dès lors qu'on n'a pas fait communiquer l'ensemble des parties prenantes, créer ce mécanisme de décision collaborative en amont. D'accord. Et puis je ne vous parlerai pas des grands échecs des ERP, je citerai juste l'ONP, l'organisé. Le système de paie des ministères où il n'y a pas eu beaucoup de communication entre les différentes parties prenantes, par exemple. Mais c'est pas chez moi que ça se produirait, ce genre de choses, bien sûr. Je n'en doute pas. Vous m'avez dit que vous aviez une relation très proche avec le DSI, et donc avec mon métier aussi. Mais dans tous les cas, je pense que vous avez quand même besoin d'organiser un petit peu, de structurer cette décision. C'est ce qu'on apporte en plus. D'accord. Bah, écoutez, montre-moi ça. Tout à fait. Je pense que, plus qu'un long discours. Alors, ce que je vais vous présenter très rapidement, c'est pas une démonstration complète. Je ne vais pas chercher à vous convaincre de toutes les fonctionnalités de notre produit. Mon objectif, c'est plutôt une visite guidée. C'est plutôt une visite guidée. Donc là, je ferme tout parce que ça sera... Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est un portail SEMSIMO de démonstration pour une collectivité locale, une organisation fictive qu'on a appelée Ville de... Alors attendez, je me connecte, 2 secondes. Donc je suis en théorie un utilisateur autorisé. Quelqu'un qui participe aux instances de décision. Là, vous êtes en direct sur une base distante, là. Oui, tout à fait. En fait, j'utilise mon smartphone pour la connexion Internet et je suis en train de me connecter via le web à une interface. Bon, c'est une interface web, comme je le disais tout à l'heure, en fait. Je n'ai rien installé sur mon poste. En moins intelligent de l'époque jadis, des débuts de l'informatique. C'est une grande boucle. Voilà. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que en fait, l'interaction qu'on a avec un écran à la Matrix, c'est quand même un peu différent. D'ailleurs, j'espère vous en convaincre dans 2 minutes. Ça veut bien se lancer, c'est toujours le problématique de l'effet des mots où, quoi qu'il arrive, on a toujours un petit timing. Donc on va arriver, voilà, donc sur la page du portail, la première chose qu'on me dit, c'est pour ça que j'ai les fermes, elles étaient ouvertes juste avant, vous avez pu le voir, j'avais la connexion, je fermais pour vous montrer quand même que je suis censé rentrer mon login et mon mot de passe. C'est un peu basique, mais je vous montre quand même. Voilà, donc on arrive sur la page d'accueil du portail. Et ce que vous voyez, c'est qu'à gauche, j'ai tout un menu. Ce menu va me permettre, en fait, de saisir de l'information sur différents concepts. Et la page d'accueil me rappelle, avec du texte, en quelques mots, quel est l'objectif du portail. Et elle me permet de voir, en fait, l'ensemble des concepts que nous avons définis, que nous avons modélisés pour, justement, organiser ce partage de l'information. Alors, vous voyez rapidement qu'ici, nous avons 15 domaines. 15 domaines de connaissances qui vont de la stratégie de l'organisation. Donc en particulier, si j'ouvre ici, vous voyez que j'ai la définition des axes stratégiques,
des opportunités, je peux définir des diagnostics. Et en passant par les éléments liés au domaine de la gestion de vos activités, donc on va définir des activités d'organisation, des processus, je vais arriver jusqu'aux éléments qui sont liés au système d'information, éléments applicatifs qui vont supporter des processus qui eux-mêmes supportent des activités qui elles-mêmes déclinent votre stratégie, jusqu'aux composants d'infrastructure. Attendez, est-ce que c'est pas un peu complexe là, votre structure? Parce que c'est riche, hein. D'accord, c'est très riche, mais c'est lié au juste nécessaire des éléments indispensables à la prise de décision. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne, aucun individu n'a la science infuse et la connaissance complète de tous les éléments d'information dont vous aurez besoin pour prendre votre décision. Donc en fait, nous avons modélisé cette grande base de connaissances, les liens entre les différents concepts, mais les gens qui vont renseigner, ce sera pas les mêmes au même niveau. Typiquement, pour les axes stratégiques, ça va être la direction générale, vous-même, le CODIR, oui, qui vont définir ces axes stratégiques. Et puis pour les dossiers de décision, ce sera vos responsables métiers qui vont définir, initier des dossiers de décision. Il y aura les chefs de projet qui les mettront à jour. Ce ne seront pas à chaque fois et à chaque moment les mêmes personnes. Donc il y a vraiment une logique de mise en collaboration de tout le monde. Et c'est l'accueil de tout le monde. C'est l'accueil de tout le monde, mais tout le monde ne remplit pas les mêmes informations. D'ailleurs, typiquement, si on va sur le menu à gauche, je veux renseigner les axes stratégiques. Mmh. Donc j'ouvre axes stratégiques et enjeux, et je retrouverai toujours à peu près la même ergonomie. Votre démo, c'est une municipalité, une ville, c'est ça? Oui, alors on a choisi cette organisation fictive Ville 2 parce qu'il nous a semblé beaucoup plus parlant pour tout le monde, les problématiques d'une collectivité locale, tout le monde les comprend plus ou moins en tant que citoyen. J'ai pris une industrie, j'ai pris la banque finance. Bon, les objectifs sont très financiers, c'est certain, mais on n'aurait peut-être pas forcément aussi bien compris les processus, par exemple. Pour ça qu'on a pris quelque chose qui était appréhendable par tout le monde. Donc c'est une démonstration tout à fait. Chaque portail, chaque interface va être ensuite adaptée aux organisations. Parce qu'on ne va pas avoir, si on a beaucoup de choses communes dans la structure générique, dans le modèle, pas avoir les mêmes informations, c'est une évidence. Donc ici, vous avez l'axe stratégique et enjeu. Déjà, je peux vous dire que dossier de décision, chez nous, ça ne va jamais passer. Hein, ça va être business case. Hein, vous n'allez pas me garder dossier de décision. Si vous le souhaitez. Je comprends bien que c'est la bonne chose. Hein, c'est une évidence. Si vous le souhaitez. Nous, on a choisi dossier de décision parce qu'on trouvait ça plus parlant. Mais ça, c'est franchement pas un problème. Donc là, au niveau des axes stratégiques et enjeux, vous trouverez, d'ailleurs pour tous les concepts, et dans ce menu de gauche, vous avez des liens qui vous permettent d'ouvrir des pages, qui vont vous permettre de renseigner des informations liées à des objets de la décision, des objets de connaissance. Vous avez typiquement toujours plus ou moins la même présentation. Une page de définition qui vous explique à quel type de questions on veut répondre. Parce que c'est très important, la modélisation qu'on a faite, elle est orientée par rapport aux questions de sens qu'on se pose. Donc, connaissant les questions, on essaye de trouver les informations qui vont permettre d'y répondre. Et là, vous avez les questions. Donc, derrière, vous voyez que vous avez besoin de définir des missions, des relations stratégiques, des offres, et en particulier les axes stratégiques. Vous avez une question? Non, je me posais la question de la modélisation. Vous dites modélisation, mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Quand vous dites modéliser la décision, c'est quoi modéliser mon entreprise? D'accord. Donc en fait, c'était un des trois principes de Sapsimo que j'ai évoqué très très brièvement. Je vous ai dit, on a une démarche organisationnelle, on a une modélisation et on a un portail. D'accord. Pour mettre en musique, là, on est en train de le démontrer. Ouais. La modélisation, en fait, c'est une modélisation ontologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ontologique? C'est une façon de modéliser un domaine de connaissances. On va définir les concepts de ce domaine de connaissances, les classes, les classifier comme une taxonomie. Mais en plus de cette classification un peu hiérarchique qui permet de l'héritage, c'est-à-dire que pour une classe qui a des caractéristiques, si j'ai une sous-classe, elle va hériter des mêmes caractéristiques, mais on va au-delà de cette classification. On se retrouve dans les objets classiques. Quoi. Oui, ça c'est hiérarchique, mais on va largement au-delà de ce concept hiérarchique. Il y a des liens de sens avec différentes cardinalités entre les objets qui ont des propriétés qui les lient, et on peut faire aussi des déductions logiques, ce qu'on appelle des inférences. Socrate est un homme dont tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. C'est un exemple d'inférence. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on s'est posé différentes questions
Qu'est-ce qu'on recherche au niveau de la décision qu'on doit arbitrer pour un projet d'évolution de système d'information ou sur la maintenance d'une application? Déjà, rechercher l'application, elle couvre quel besoin? Ça veut dire quoi un besoin? Comment on le définit? Comment on définit la stratégie d'une entreprise? Qu'est-ce que sont les axes stratégiques? Pourquoi un dossier de décision doit être lié à tel axe stratégique? Vous organisez un réseau de connaissances. Quoi. Exactement. Exactement. Ce sont des réseaux de connaissances. Mm-hmm. Donc en fait, le modèle ontologique... Et à gauche, oui. Je navigue dans le réseau. À gauche, vous naviguez plus ou moins dans le réseau, tout à fait. Vous pouvez créer, éditer, consulter les différents concepts de ce réseau de connaissances. D'accord. Ce qui existe, ce qui a été mis à jour, tout à fait. Puis vous pouvez le rechercher plus globalement aussi. Mais on structure un petit peu pour que vous alliez directement. Le fameux dossier de décision, là, est-ce que vous pouvez m'en montrer un? Tout à fait. Donc là, par exemple, si je regarde très rapidement, je vous montre que j'ai un axe stratégique améliorer la qualité des services publics. C'est... Donc on va l'ouvrir, s'il veut bien. Et je vous montre immédiatement un dossier c'est de décision. C'est objectif. Oui. Et en fait, c'est un objectif que beaucoup de collectivités locales partagent. Et c'est dans la logique de la modernisation des services de l'État. Donc là, j'ouvre une page, l'améliorer la qualité des services publics, c'est un objet de connaissance de type axe stratégique. Je pourrais mettre beaucoup de textes, là je me suis contentée de métadonnées, de données qui qualifient cet objet, et chaque donnée qui sont renseignées m'ouvre un nouveau lien. L'objectif stratégique lié, bah, typiquement là je vais mettre une échéance, améliorer en 2016 la satisfaction des usagers. Comment typiquement ça c'est évalué? Quelle est l'échéance? C'est évalué par un indicateur. Si je regarde l'indicateur de satisfaction, ça va m'ouvrir une nouvelle page et là je vais voir effectivement les mesures, les seuils. Donc je définis ça avec effectivement d'autres objets. Et je peux aussi naviguer dans le sens inverse. Donc si je cherche des faits relatifs à l'indicateur, je peux voir que en fait, c'est une façon de mesurer ce qu'on venait justement de dire, l'objectif stratégique amélioré en 2016. Donc on va retourner sur l'objectif stratégique. J'ai plusieurs façons de naviguer, suivant les propriétés, suivant les faits, directement dans les D'accord. micro-données. On saisit les informations, on circule dedans, et puis ça produit quoi, in fine? Alors, d'accord. Je raccourcis, je vais plus vite. Je vois votre préoccupation. Je veux juste, avant que non, c'est ma curiosité. Hein, c'est d'accord. Ma curiosité, c'est in fine, ça va nous produire des restitutions. Ça va nous produire des restitutions globales, typiquement du portefeuille, de dossier de décision, mm-hmm. et des façons de pouvoir, avec cette alimentation d'informations, avoir une meilleure priorisation de nos axes stratégiques, de voir comment on met en balance les projets qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on veut pousser plutôt vers cet axe? Est-ce qu'on veut pousser plutôt vers celui-là? Est-ce qu'on peut plus, pour des collectivités locales, pousser vers cette catégorie de population, par exemple? Ou avoir des choses qui donnent des services pour un périmètre géographique au sein de la ville, par exemple. Donc, pour obtenir cette restitution, il va falloir quand même qu'à un moment donné, je renseigne ces dossiers de décision. C'est là, on est sur effectivement ce concept de dossier de décision, donc même logique, définition, différents objets. Je vais directement au portefeuille. Là, j'ai un petit tableau qui me résume les différents dossiers de décision par rapport à certains axes. Là encore, c'est adaptable, suivant ce que vous préférez. Ce qui a été mis en avant, c'est les cibles, c'est les coûts d'investissement macro, c'est les coûts de fonctionnement macro. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se dire combien ça va me coûter pendant que je vais le faire, il faut aussi se poser la question de, une fois que ce sera installé, ça va... Même les collectivités sont passées au coût global. Hein. Oui. Donc on va regarder tout ça, mais vous avez aussi, par rapport à cette taxe, améliorer la qualité des services, nous avons ici un dossier de décision. C'est un projet de mise en place d'un logiciel de gestion des formations. Parce qu'on suppose que, on va voir, en l'occurrence, là, on suppose que former les agents, ça aidera à une meilleure qualité des services publics. Là, on ouvre la page de dossier de décision. Au niveau de dossier de décision, vous avez une restitution, qui est une requête sémantique, qui vous dit, parce que là, ce que je ne vous ai pas montré, parce que je vais un petit peu vite, c'est que le statut actuel de la décision, c'est le lancement de l'exploration des solutions. Donc j'ai défini deux options, enfin j'ai défini. La ville a défini deux options de solutions. Oui. Et la personne qui est responsable, Balthazar Mirepoix, en tant que directeur des ressources et moyens, peut-être de l'arbitrage, a un gros poids sur l'arbitrage final, dit que quelles que soient les options de solutions, on voulait un score minimum sur certains axes. Tels allaient être les critères de décision, avec la pondération. C'est le minimum minimorum pour le projet. C'est le minimum, exactement. D'accord. Exactement. Et ce qu'on c'est voit... C'est cette zone verte, là. C'est cette zone le verte. Radar, ouais. Et ce radar vert, là, on voit comment, aujourd'hui, les deux options de solution proposées le recouvrent. Donc, d'accord. On a cette information parce qu'on a renseigné des informations au niveau des options de solution.
Alors très rapidement, comment on renseigne tout ça? On modifie systématiquement avec des formulaires, là, pour le dossier de décision. Donc j'ai deux choses. J'ai les données que j'aurais renseignées à travers le formulaire qui vont être affichées sur ces métadonnées, données descriptives qui sont là sur la droite. Et j'ai aussi les informations que j'aurais rentrées ailleurs sur les options de solution qui sont restituées ici. Alors attendez, moi j'ai peur que ça fasse beaucoup de données à saisir, bien qu'on soit au niveau stratégique quand même. Et si j'ai déjà ces données dans mes bases, dans mes feuilles Excel, dans mes outils à droite à gauche, est-ce que je peux insérer ça là-dedans? Alors oui, on a des possibilités d'import et justement la démarche permet de valider un petit peu avant la qualité des données et ce dont on dispose. C'est un préalable. La cohérence. Oui, la cohérence, on audite un petit peu les données avant de les injecter parce qu'il faut quand même qu'elles soient de qualité, c'est essentiel pour pouvoir prendre les décisions après. Vous imaginez, c'est combien la ressaisie, c'est combien les imports en pourcentage, on est 60-40, on est 20-80 Je ne peux même pas vous répondre comme ça parce que vous initiez. Alors la démarche est progressive et itérative. Donc au début, on va identifier un domaine d'activité. On ne peut pas essayer de faire 100% de toutes vos problématiques d'entreprise la première fois. Donc on va identifier un domaine d'activité. Sur ce domaine d'activité, on va faire un peu un audit de ce qui existe et on va alimenter le portail, alimenter la base avec vos informations, on va les importer. Alors, est-ce que vous avez déjà 90% ou 100% des informations qui vous permettent de prendre des décisions? Je suis désolée, non. Non, je ne suis pas sûre. Non, je ne crois pas. Je ne vais pas dire ça. Non, mais si j'en ai un certain nombre, évitez de les ressaisir. Vous allez pouvoir éviter de les ressaisir. Il ne faut pas avoir beaucoup de bonne volonté pour ressaisir des choses qu'on a. Tout à fait. Et justement, pour éviter la ressaisie, ainsi que je vous l'avais dit, c'est quand même un portail collaboratif. Donc, on ne va pas ressaisir à chaque fois ce que les autres ont saisi ailleurs. Et typiquement, sur le dossier de décision, on va pouvoir aller choisir un objectif stratégique. On ne va pas le créer à ce niveau-là. Il est censé avoir déjà été créé. Et chaque fois qu'il y en a un nouveau qui a été créé, c'est mis à jour immédiatement. Et on peut le sélectionner ici. C'est pareil. On le voit ici. J'ai beaucoup en fait, d'informations, des événements déclencheurs que je peux choisir ici. J'ai plusieurs possibilités. Alors, par contre, en tant que responsable du dossier de décision, je peux rentrer une nouvelle information. Et pour simplifier les choses, eh bien, j'ai une logique qu'on appelle l'auto-completion. Enfin, je peux compléter. Donc là, par exemple... Elle est automatique. Voilà. Donc, pour faire vite, je ne rentre pas complètement l'information. Mais mettons que je rentre un nouveau risque, que je suis conscient d'un risque en particulier. Ici, bon, je le rentre, j'enregistre. Et c'est là où je vais vous montrer que, en fait, on n'interdit rien, on n'oblige rien. On n'oblige pas à ce que toutes les informations soient bien renseignées avant de pouvoir les saisir. Nous n'avons aucun mécanisme de verrouillage. Alors, l'avantage, parce que vous allez me dire que ça a des inconvénients, pourquoi vous faites ça, c'est pas normal, etc. L'avantage, c'est qu'on va saisir l'information dont on dispose à un moment donné, on sait très bien. Il n'y a pas de processus guide pour... vous n'avez pas une espèce de workflow pour remplir la base? Non, on n'a pas un workflow. D'accord. C'est à un moment donné, on a une réalité organisationnelle. À un moment donné, le chef de projet a certaines informations à sa disposition. À un moment donné, le DSI a certaines informations à sa disposition. Direction générale, direction métier. On va bien sûr avoir quand même une méthode, une démarche pour dire que ben, faut commencer déjà par avoir revu les axes stratégiques, les enjeux, et on va effectivement importer, comme on l'a dit, ce qui existe. On va faire un petit audit des projets, des initiatives pour renseigner. Je peux sauter les étapes. Le système n'interdit pas de sauter les étapes. Le système n'interdit pas, mais il vous montre les trous dans la raquette et ce qui manque. D'accord. Là, dans ce dossier de décision, il manque beaucoup de choses. Donc quand ça va arriver en comité, en agence de décision. Quand c'est rouge, là. Et quand c'est rouge, ça veut dire exactement ce que je viens de faire. Là, je viens de faire A pour risque, un risque, etc. Donc, j'ai dit qu'il y avait un risque, mais je n'ai pas renseigné ce risque de façon qualifiée. D'accord. Donc, si je l'ouvre, il est rouge et on va me proposer un risque. Normalement, il doit avoir une catégorie, il doit avoir un indicateur, il doit avoir un responsable, peut-être un élément déclencheur. Pour évaluer le risque, il n'est pas statique, il évolue dans le temps, donc on va pouvoir évoluer le risque. Donc peut-être que je ne veux pas le mettre tout de suite. Alors là, je peux très bien, au lieu de mon risque XYZ que j'ai mis à la volée, je peux très bien avoir un libellé tout à fait explicatif puis me dire, bon, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Le libellé, je le mets pour dire, il ne faut pas oublier qu'on aura ce risque-là et qu'à un moment donné, il va falloir quand même l'analyser plus profondément. D'accord. Donc, tout ça, in fine, donc vous voyez que je peux utiliser les formulaires. Les risques, moi ça m'intéresse, vous avez des tableaux de risques, des avertisseurs, vous avez des choses... Plusieurs choses. Bon, il y a les gestions des risques proprement dit, mais en termes de risques, j'ai aussi
La vision plus globale, la restitution au niveau des... donc je peux consulter les risques qui ont été définis, je peux, bon, il y a plusieurs choses là-dessus. Mais si j'arrive au niveau de la direction générale, vous, ce qui peut vous intéresser en termes de risques liés à votre système d'information, c'est par exemple les obsolescences. Par exemple. Et donc là, j'en arrive en fait à quelque chose de plus global, mon diagnostic système d'information. Parce que tous ces éléments que je vais rentrer à droite à gauche en utilisant différentes personnes, c'est pour nourrir la décision. Voilà. Et pour nourrir la décision au bon moment, mais parfois il faut une restitution plus globale de l'ensemble avec les questions auxquelles je veux répondre. Typiquement, on a parlé tout à l'heure du shadow IT, et on aurait pu parler aussi de l'obsolescence des outils utilisés dans les systèmes d'information. Alors là, mon diagnostic système d'information met un petit peu de temps à s'ouvrir, donc c'est ma connexion. Là, voilà. Donc ici, vous avez une sorte de rapport détaillé, mais on peut l'adapter à chaque entreprise. Et typiquement, vous avez ce que je disais en termes de risque, le diagnostic obsolescence. Vous allez voir quelles sont vos applications, par exemple, des systèmes d'information qui fonctionnent sur des outils qui ne sont plus supportés. Ça arrive régulièrement, c'est un des gros risques. Alors, on pouvait avoir d'autres types de risques. Si j'ai un outil qui a un composant qui n'est plus supporté, je peux identifier toutes les applis qui utilisent ce composant. Exactement. Donc là, j'ai une application pour les ressources humaines qui est implémentée en utilisant une technologie qui utilise un composant obsolète, en l'occurrence, c'est Oracle WebLogic Server 10.3. On peut y aller, ouvrir, voir, attention, alerte, produit obsolète, et ça nous dit lequel. Et ça nous explique pourquoi il est obsolète. En l'occurrence, c'est parce que le support est arrêté. C'est ce qu'on voit ici, support produit arrêté, donc il ne marche plus, et puis on voit qu'il est implémenté. Alors on peut aussi avoir suivre des produits, parce qu'à un moment donné, on les a étudiés, on les a rentrés dans la base, mais finalement, ils ne sont ni implémentés, ni étudiés. Donc là, on a aussi une requête qui nous permet de vérifier s'ils sont implémentés ou pas. Et tout à l'heure, quand on parlait du Shadow IT, je vous ai dit, je n'ai pas une baguette magique. Par contre, je peux mettre, pendant la démarche, toutes les personnes autour de la table et dire, bon, est-ce que vous avez quelque chose, typiquement, pour... là, c'est en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour l'application de gestion des formations, ils ont un tableau Excel de suivi d'évaluation des formations. Qui présente certains risques, ils ont des problèmes, mais le DSI ne le voyait pas, celui-là. Donc là, on peut le voir et on va dire, bon, ben, typiquement, il y est, mais le contact IT, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contact IT parce que c'est au niveau des ressources humaines qui développent ça depuis des années et qu'ils ont gardé ça. Donc ça, on va pouvoir montrer, puis on va avoir aussi des diagnostics sur les coûts de maintenance consolidés, puisqu'on suit les coûts, etc. Et ça, c'est par rapport au diagnostic des systèmes d'information. On a aussi quelle est la couverture fonctionnelle, quel processus ça supporte. Donc vous avez différentes visions. C'est par rapport à l'existant. Et vous avez en fait votre cartographie du portefeuille. Aujourd'hui, tous vos projets, toutes vos initiatives, comment les voir? Souvent, quand je vous disais tout à l'heure, les projets portfolio management, les outils sont assez orientés sur cette vision-là. Cette vision sur la valeur actualisée net et sur le risque. Là, sur ce qu'on a en ordonnée, ça va être le risque, et en abscisse, ça va être le coût d'investissement. Et la grosseur de la bulle, c'est le coût de fonctionnement. Donc là, vous voyez ici que j'ai une application qui a un gros coût d'investissement, mais un coût de fonctionnement presque nul, et un risque assez bas, et puis là, voilà. Donc je pourrais choisir sur cette vue-là. Mais qu'est-ce que je fais des bénéfices, particulièrement pour une collectivité locale, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je regarde quelles sont aussi les catégories de population que je vise, les axes stratégiques, le territoire que je couvre. Et là, j'ai d'autres visions qui me disent, votre répartition de projet, typiquement, actuellement, c'est plus une catégorie de population, les familles avec jeunes enfants, que vous privilégiez par rapport aux autres. C'est là qu'on retrouve la création de valeur, on voit pour qui... Les propositions, vos projets, vos initiatives actuelles, elles couvrent beaucoup plus les familles avec jeunes enfants. Alors, il peut y avoir une raison, c'est un de vos axes stratégiques. Alors voyons-le par axe stratégique, restructurer l'offre de services publics, non, on n'a pas en fait vraiment l'axe les familles avec jeunes enfants, mais matériellement, on en est là. On couvre plus cette catégorie de population. On est à côté de notre stratégie. On ne l'est pas totalement, c'est quelque chose qui est le domaine de l'implicite, après il faut valider, est-ce que c'est dans notre stratégie privilégiée ou pas? Là on le voit. Je ne peux pas vous répondre actuellement, c'est oui ou non. Ça peut être quelque chose d'implicite, finalement, et on peut l'expliciter après coup. Alors, je commence à voir ça. Et comment ça s'implémente, cet outil? Donc, vous avez une structure, une espèce de matrice qu'on peut habiller, customiser en fonction du client. Et qu'est-ce qui se passe après?
D'accord. Alors ça, c'est l'objectif de la démarche dont on parlait, progressive, itérative. Ce qu'on va faire, c'est au départ, on va prendre cette modélisation générique, on va faire des ateliers en jeu, déjà, pour repositionner les choses fondamentales du dispositif, les axes stratégiques, les enjeux de l'entreprise, pour ne pas rattacher ensuite les dossiers de décision si on n'a pas défini ça. Bon, donc on va avoir des ateliers qui vont nous permettre de définir ça, et puis des ateliers aussi pour qu'il y ait un consensus sur cette représentation générique de l'entreprise qu'on propose, et une adaptation si nécessaire, avec l'ensemble des instances de décision et ceux qui y contribuent aux décisions. Donc ça va être par domaine d'activité et c'est relativement maîtrisé puisqu'en fait, on pense qu'en 3 ou 4 mois, on peut très vite arriver à un premier portail qui, en mettant en musique cette démarche collaborative. Pourquoi ? Parce que les ateliers... En 3 mois, j'ai un truc qui ressemble à ça, qui fonctionne sur un domaine. Oui, 3-4 mois. Après, ça dépend. Alors, je ne vous dis pas 3 mois... Les ateliers, c'est quoi ? C'est 3, 5, 10, 50 ateliers Non, vous n'en avez pas 50. En fait, ça dépend des unités d'œuvre, du nombre de personnes, d'applications et de projets que vous avez. Mais vous allez avoir un ou deux demi-journées sur l'atelier en jeu avec les bonnes personnes, pas plus. Oui, la stratégie, on n'a pas. Voilà, la stratégie, vous avez. Et après, vous allez avoir un atelier application existante, peut-être deux, parce que sur le domaine, on va nous dire au départ. C'est entre le curseur et quoi ? Il y a une cinquantaine d'applications ou il y a 200 ? Peut-être découvrir au final que vous pensez avoir 50 applications, vous en avez 200. C'est le Shadow IT. Mais en même temps, si c'est du Shadow IT, en rassemblant les personnes, on y arrive assez rapidement. Tu vas faire de une ou deux journées, ça peut se faire en demi-journée. C'est vrai. Voilà. Il faut à un moment que vous fassiez. Ça vous permet aussi une autre chose. De façon, alors c'est pas explicite, mais de façon collaborative, vous faites un audit avec tout le monde de ce dont vous disposez et où vous voulez aller. D'accord. Un ordre de grandeur de coût, c'est quoi votre business model là ? Vous êtes propriétaire de logiciels, je paye des royalties, ça se passe comment ? Alors, tout ce qu'on utilise comme logiciel sont open source. Tous les logiciels qu'on utilise. Donc on ne vous fait pas payer de licence. D'accord. Le modèle par défaut, mais après on s'adapte en discutant aux entreprises, avec les entreprises, le modèle par défaut c'est un abonnement parce qu'en fait on passe nous-mêmes par un fournisseur de services de type infrastructure de service. Vous n'avez pas à installer les serveurs du tout chez vous et c'est sur le sol français donc européen et de toute façon on vérifie les engagements que vous voulez au départ par rapport à ça. Et on peut même faire ça sur un cloud privé ou installer au sein de l'entreprise. Et là, d'accord, parce que moi j'ai peut-être des soucis de risque, de dissémination, enfin de sécurité sur les informations. Peut-être que je souhaiterais que ça reste chez moi. C'est possible ça chez moi ? C'est possible, on s'adapte. En principe, beaucoup d'entreprises préfèrent aujourd'hui tourner vers le cloud computing parce que souvent, du moins pour les petites et les moyennes structures, il y a paradoxalement plus de sécurité chez certains fournisseurs d'infrastructures et de services que quand c'est géré en interne. Désolée de dire ça. Mais après, comme ce sont effectivement des informations très stratégiques, on envisage de le faire en interne ou sur un cloud privé, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de taille mondiale. Mais vous prenez du fromager Opel en cloud privé, par exemple. Enfin bon, bref, ça peut se faire sur un cloud privé, ça peut se faire sur un cloud public. Après, on en discute. Ce ne sont pas les données. Attention, ce n'est pas un SaaS, ce n'est pas un software as a service. Ce qui passe dans le cloud computing, c'est la couche IaaS, Infrastructure as a Service. Vous gardez la propriété des données de votre côté. D'accord. Donc, vous êtes propriétaire de quoi ? On est propriétaire du modèle ontologique de départ, sachant qu'on va verser une partie de ce modèle, la version light, dans la communauté, parce que notre business model, puisque vous posez la question, notre business model, c'est une grande partie de service, on le rappelle, c'est une démarche de service. Alors, on essaie de vous rendre autonome le plus vite possible. L'objectif, c'est un déploiement à coût maîtrisé, c'est ce qu'on dit, c'est structurant dans notre approche. Et on a cette partie de service, effectivement, qui est dans notre modèle. On a une partie d'abonnement qui n'est pas très chère. C'est 50 euros par mois, grand maximum. C'est quoi le taux journalier que vous facturez pour les différentes interventions ? Eh bien, pour une animation d'atelier, c'est 1200 euros l'atelier. D'accord. Mais en fait, on prend aussi des forfaits, on fait des unités d'œuvre pour ne pas justement que les ateliers...
que vous ayez la mauvaise surprise de voir des ateliers se multiplier dès le départ en cadre. D'ailleurs, le cadrage est complètement gratuit, on cadre avec vous le temps que ça va prendre sur un domaine, et si vous êtes effectivement satisfait de ce domaine, ben on peut reprendre. Mais l'objectif, effectivement, pour nous, c'est de mettre en mouvement le plus rapidement possible sur un périmètre cadré. Mais écoutez, Madame Bonnequet, je vais devoir arrêter là parce que j'ai un deuxième rendez-vous qui arrive derrière. Oui. Je vous remercie, c'était très intéressant. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est que je vois une structure qui a l'air de marcher pas mal, qui répond à certains de mes besoins, moi, décisionnaire au-delà du système d'information. Je ne suis pas très sûr de l'acceptabilité par mes gens des systèmes d'information, de voir les métiers débarquer, de voir l'information mise sur comme ça, partagée transversalement. Mais je vais sonder, je vais discuter avec mon DSI, puis peut-être qu'on reviendra vers vous. Est-ce qu'elle pourrait disposer d'une version d'essai, de quelque chose que je puisse montrer à mes gens? Alors, oui, suite à la discussion, on pourra vous faire un bac à sable un peu particulier pour qu'on l'accepte à un certain stade de discussion avec les entreprises, oui, pour mettre ça en disposition. Mais on ne le laisse pas complètement librement pour qu'on cadre un petit peu, qu'on réexplique cette démarche. Ce n'est pas un outil presse-bouton et nous ne voulons pas que ça soit fait comme ça. Ce n'était pas un progiciel, ça c'est clair, ok. Ni un SAS, en fait. C'est peut-être ça qui est intéressant d'ailleurs, hein. Mais d'arriver à mettre tout le monde, discipliner tout le monde pour utiliser cet outil, bon, c'est un changement culturel. Oui, c'est pour ça qu'on propose une démarche d'accompagnement, parce qu'on pense que l'aspect organisationnel est très important là-dedans. Merci beaucoup, Mère. Je vous en prie. J'essaie de rendre une présentation in situ pour montrer un peu le point de vue du client. On a essayé de se mettre dans les chaussures du client. D'une façon générale, Sabine et moi, sur tout le temps qu'on a fait ce développement, on est parti de l'interrogation des clients. C'est-à-dire on s'est posé la question, dans une entreprise, qui doit décider de quoi, quels sont les besoins pour une décision, quels sont les prix nécessaires, où est-ce qu'elle se trouve, et tout a été construit sur la décision, l'aide à la décision par la compréhension des mécanismes. Et donc cette collaboration, elle s'impose, elle est indispensable, c'est pas une décision a priori, c'est une construction au fur et à mesure, et il était indispensable de faire collaborer plusieurs catégories pour obtenir le résultat qu'on n'obtient pas avec les outils qu'il y a sur le marché, parce que comme l'a dit Sabine, on est intimement persuadé, et on a eu des clients de chez qui on a fait des démonstrations, comme par exemple la Banque de France, qui nous ont dit effectivement que les outils du marché ne répondent pas à nos besoins en termes de décision, ne rattachent pas les outils au processus, ne rattachent pas les outils systématiquement aux besoins, ne définissent pas clairement les critères de création de valeur, ne nous permettent pas de prendre des décisions réellement éclairées. On fait beaucoup de capacity management avec les outils. Et ça, c'est pas là-dessus qu'on va créer de la valeur. Là, on arrive à la deuxième partie de débat questions-réponses. Ce qu'on vous propose, c'est de le scinder en deux parties. Première partie, je vous demanderai de vous mettre dans les chaussures de l'utilisateur, du client, du DSI, du DG, de celui qui voit cet outil-là, qui se pose la question, est-ce que ça marche, comment ça marche, toutes les questions, les remarques, les critiques que vous pouvez faire. Et on les prendra dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on changera de chaussures, on se posera la question, mais pour déployer ça, vous tous qui êtes là, vous pouvez être, en tant que consultant, vous pouvez être opérant, vous pouvez être en collaboration avec nous, vous pouvez être apporteur d'affaires, vous pouvez être déployer l'outil Saint-Simon chez un de vos clients. Et donc dans ce cas-là, comment ça peut se passer, la collaboration avec des gens qui sont aux côtés de leurs clients par rapport à l'entité Saint-Simon. Donc on sépare les deux débats. Alors, le champ est ouvert. Le deuxième micro. Oui, oui, oui. Un micro d'un côté et un micro de l'autre. Oui, bonsoir. Philippe Copello, ancien et futur membre d'Adélie, que j'ai déserté maladroitement depuis 2 ans. Très intéressant votre mise en scène. Hein. Vraiment, par rapport à des présentations plus classiques, c'est vivant, c'est intéressant. Vous jouez très bien le rôle du DG, pardon.
Il manque le DSI, mais peut-être qu'à deux, vous arrivez difficilement. Ça faisait compliqué. Ça faisait compliqué. Moi, mon observation, enfin, comme celle sans doute de beaucoup d'entre nous, moi j'ai travaillé dans une bonne douzaine de DSI, enfin d'entreprise, soit en tant que DSI, soit en tant que DSI adjoint, salarié ou prestataire, manager de transition. Il est rare, finalement, que je sois tombé, alors peut-être pas eu de chance, dans les entreprises dont les objectifs stratégiques étaient annoncés, énoncés, clarifiés. Alors, dans une communauté, dans une communauté de communes, c'est assez facile de dire « Ah, oh, je fais ce projet parce que ça rend service aux usagers ».